Horoscope chinois du jour. Vendredi 15 novembre. Horoscope Ra. Amour. Climat conjugal amélioré par l'entrée de la planète Oakoa dans votre ciel. Ces influx vous aideront à passer d'excellents moments avec votre conjoint ou partenaire, à dissiper tout malentendu, à mieux exprimer vos sentiments. Célibataire, la planète Tayam, en vous envoyant ces mauvais influx, vous mettra les bâtons dans les roues côté cœur. Vous vous sentirez peu sûr de vous-même, parfois franchement gauche et maladroit. Certains de vos partenaires vous sembleront trop fiers, trop distants. Argent. La négligence concernant la gestion de vos finances risque de vous coûter très cher. En outre, il vaudra mieux perdre un peu en sauvant l'immeuble à temps que de faire naufrage en voulant tout garder. Santé. L'astroatine régira votre secteur santé. Bonne forme physique et tonus à revendre, donc. Pourquoi ne pas profiter de cette superbe énergie pour vous lancer dans des activités sportives qui vous feraient le plus grand bien? Vous n'avez pas besoin d'être un champion en quelque discipline, que ce soit pour exercer votre corps. Travail. Diakong, l'un des astres négatifs de la journée, influencera un de vos secteurs professionnels. Des contretemps sont donc possibles? Des retards ou des difficultés de communication avec vos collègues pourront vous agacer. Essayez de garder votre calme et d'attendre paisiblement que les choses rentrent dans l'ordre. En principe, ces contrariétés devraient s'estomper d'elles-mêmes assez rapidement. Famille. Conseil de l'astre-tien-duc, si vous voulez éviter des ennuis plus que probables, résistez à l'envie de vous porter caution pour des amis que vous aimez d'ailleurs très fort. Pourquoi t'exposer à ce qu'on t'enlève ton lit de dessous toi? La bonne foi de vos amis ne devrait peut-être pas mise en doute, mais la vie comporte toujours tant d'aléas que votre élan de générosité risque fort de se retourner contre vous. Horoscope Buffle. Amour. Le vaillant astre-tien-duc, en excellent aspect, devrait largement profiter à votre vie de couple. Si votre conjoint a des soucis professionnels, vous l'aiderez à dédramatiser la situation et, pour vous remercier, il aura des attentions qui vous toucheront. Célibataire, avec la planète Oak bien positionnée, c'est dire si vous serez privilégié du côté des rencontres. Pour bon nombre d'entre vous, la passion amoureuse sera au rendez-vous, avec ses excès. Adieu la vie tranquille, et vive les sensations fortes. Argent. Sur le plan matériel, la chance vous sourira, et vous pourrez effectuer des transactions profitables. En revanche, redoublez de précautions contre les escrocs qui chercheront à vous extorquer de l'argent en faisant miroiter des gains fabuleux ou le paradis. Santé. Les planètes vous recommanderont cette fois les pommes de terre. Vous les ferez cuire à la vapeur avec leur peau pour éviter les pertes en vitamines. Ce légume est riche en fibres et peu énergétique, il convient donc parfaitement même à un régime amincissant. Les sportifs du signe seront bien avisés de ne pas négliger les pommes de terre. Ce légume est aussi nutritif que les pâtes, avec en prime beaucoup de vitamines et de sels minéraux. Les sucres lents qu'il contient empêchent le phénomène d'hypoglycémie. Travail. Sous l'influence de l'astre d'Ansa, vous vous sentirez beaucoup plus euphorique encore que dans vos meilleures journées passées. Vous aurez plus de chances de voir vos efforts aboutir dans le domaine professionnel. Une possibilité de gain assez important pourra se présenter, mais ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Famille. L'astre Truongxin dans cet aspect met à l'honneur les discussions amicales, des échanges qui vous seront utiles pour éclairer vos choix, si vous avez une décision importante à prendre. Horoscope Tigre. Amour. Conseil de l'astre Mokduk. Soyez pleinement conscient du fait que vous avez une trop haute opinion de vous-même, et que votre conjoint ou partenaire ne saurait vous satisfaire entièrement sans renoncer à sa propre dignité. Modifiez votre comportement en conséquence. Célibataire, vos affaires de cœur s'annoncent florissantes. Si vous rêvez de fonder un foyer, vous aurez de grandes chances de rencontrer l'homme, la femme de votre vie, à la faveur des bons aspects de l'astre Tianlong. Argent. Sur le plan financier, Trier, planète de l'intelligence, de l'habileté et du commerce, devrait vous protéger efficacement. Attention simplement à ne pas prendre de décisions trop rapides en matière pécuniaire, vous n'aurez pas toujours les idées très claires. Santé. Comme vous détestez la routine, l'uniformité, vous vous nourrissez de manière anarchique, en sautant des repas ou,
au contraire, en grignotant toute la journée. Cette instabilité permanente, ce manque absolu de régularité peuvent devenir, à la longue, néfastes à votre santé. Vous en ferez d'ailleurs l'expérience aujourd'hui. Travail. Certaines de vos ambitions pourraient se réaliser, à condition que vous y mettiez un peu du vôtre. Ne reportez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui même, et réglez les affaires en suspens. Famille. L'influence de l'astre bateau se fera sentir, vous serez beaucoup plus expansif et ouvert que d'habitude. Toutefois, n'allez pas d'un extrême à l'autre, et évitez de confier certains secrets. Horoscope chat. Amour. La bonne entente devrait régner entre votre conjoint ou partenaire et vous, si l'on se réfère aux influx astraux du moment. Mais elle sera précaire et aura besoin d'être entretenue avec précaution. Surtout, pas de jalousie. Célibataire, le présent aspect de l'astre Van Cook vous promet des amitiés amoureuses, des complicités sympathiques. Mais méfiez-vous de certains natifs du rat et du chien, qui risquent de vous entraîner dans certaines mésaventures ou vous causer quelques déceptions assez amères. Argent. Méfiez-vous de cet aspect de l'astre Ongloan. Vous pourriez être tenté par des dépenses inutiles ou être surpris par une dette oubliée qui se rappelle à votre bon souvenir. Santé. Grâce au duo hypertonique des astres en Kang et Trier, qui influencera votre secteur santé, vous devriez être plein d'énergie et de joie de vivre. Les choses peuvent légèrement se gâter pour quelques-uns d'entre vous à cause de l'astre Tianfuk. Il y aurait alors de petits soucis de digestion ou de peau, qui pourraient avoir une origine allergique. Travail. Les retards s'amoncelleront, et vous risquez d'être de méchante humeur. Il vous faudra faire preuve de beaucoup d'ingéniosité et de patience si vous voulez parvenir à vos fins en temps utile. Famille. Les présents aspects de la planète Lumière vous rendront crédule et vulnérable. On pourrait bien tromper votre bonne foi ou vous faire payer cher une spontanéité confiante. Soyez donc sur vos gardes. Méfiez-vous non seulement de vos ennemis, mais surtout de vos amis. Dieu me garde de mes amis. Mes ennemis, je m'en charge. Horoscope Dragon. Amour. Baco, la planète de l'amour, et Tuan, l'astre du désir, vont prendre votre vie conjugale sous leur protection. Votre conjoint se montrera attentionné et sensuel. Ne le décevez pas en vous réfugiant dans l'indifférence. Si vous êtes célibataire, vous aurez une grande envie de tomber amoureux. Mais attention, ne vous lancez dans une aventure que si vous avez le sentiment que cette histoire pourra durer. Vous aurez des chances de faire la rencontre dont vous rêvez. Argent. Les influx de l'astre Londuc vous rendront fort dépensier. Heureusement, vous réussirez à rééquilibrer votre situation financière en effectuant d'intéressantes transactions et en gagnant au jeu de hasard. Santé. Aucune planète n'ayant élu domicile dans les secteurs santé de votre thème, vous jouirez a priori d'une bonne forme générale. Vous devrez toutefois vous méfier de l'astre fond de chaos, qui enverra des influx négatifs et pourrait de ce fait être à l'origine de névralgies dentaires. Mais, au fait, n'est-il pas temps d'aller chez votre dentiste pour un contrôle? Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Travail. Tout ira bien pour vous dans le domaine professionnel. Des occasions inespérées se présenteront, vous permettant de consolider votre situation ou de donner plus d'envergure à votre position. Certains natifs découvriront dans l'entreprise qu'ils gèrent d'immenses ressources inexploitées. D'autres pourront créer leur propre affaire. Famille. Il a fallu attendre pour que le secteur relation s'anime. Certains d'entre vous auront cette fois des nouvelles de vieux copains installés à l'étranger, d'autres n'auront de nouvelles amitiés en dehors de leur cadre habituel. Horoscope Serpent. Amour. Sur le plan conjugal, l'amélioration entamée dernièrement va se poursuivre. Ce climat planétaire à prééminence saturnienne vous rendra très exigeant en amour. Vous chercherez par tous les moyens possibles à améliorer votre vie à deux. Célibataire, vous vous sentirez guidé cette fois par une énergie bouillonnante, mais aussi par une passion dévorante. Vous aimerez à la folie et vous serez aimé tout autant. Excellente journée d'amour et de tendresse. Les autres pourraient même vous envier ce climat heureux dans lequel vous baignerez. Argent. La pression se relâchera quelque peu dans le domaine financier, mais vous devrez toujours vous méfier de l'astre Diakong, qui continuera à influencer votre équilibre. Heureusement, vous êtes capable de faire preuve de prudence en matière financière. C'est pourquoi vous devriez vous en sortir sans trop de casse.
mais gardez à l'esprit le fait que les planètes ne vous portent pas chance à présent et que ce ne sera pas le moment de prendre des risques. Santé. Vous serez en bonne forme sur le plan purement physique. Mais avec Yemtrine, planète régissant le système nerveux et la résistance psychique et qui serait mal aspectée, vous risquez d'être légèrement fragilisé sur ce plan. Si vous vous sentez plus angoissé que d'habitude, ou si vous résistez mal au stress, un peu de repos ou un massage suffiront à vous rééquilibrer. Travail. Cette journée sera faste pour ceux qui préparent un examen ou un entretien en vue d'une embauche. Les intellectuels et les chercheurs auront l'esprit clair et des idées originales sinon géniales. Profitez des influx présents pour vous livrer à une réflexion sérieuse, qui pourra aboutir à un heureux changement de cap. Famille. Vous qui placez l'amitié en très haute estime, serez cette fois gâté, car c'est l'astre d'Atsa qui protégera le secteur relation. Discussion à bâton rompu ou envie de faire la fête, tout sera possible. Horoscope cheval. Amour. Un climat d'épanouissement et de confiance mutuelle régnera souverainement dans votre vie de couple. Il ne tiendra qu'à vous d'établir de bons rapports avec votre conjoint ou partenaire, et c'est par le charme et la douceur que vous obtiendrez tout ce que vous voulez de lui. Célibataire, vous attirerez les sympathies et aurez l'occasion de faire de nombreuses rencontres, à moins que ce soit le début d'une idylle appelée à s'épanouir. Les passions et les orages céderont la place aux sentiments dans un climat plein de charme et d'agrément. Argent. Cette journée, placée sous l'égide de l'astre tien-duc, favorisera la fortune de tous les natifs du signe, notamment en raison de spéculations réussies, de chances au jeu de hasard. Vous serez habile dans vos négociations et transactions diverses, et les rencontres opportunes vous serviront. Santé. La planète Oaka en aspect harmonique vous aidera à conserver un bon équilibre physique ou, si vous êtes malade, à vous soigner efficacement. Mais attention, cette planète rend terriblement gourmand et, pire, sous son influence, la moindre calorie en trop pourrait avoir de fâcheuses répercussions. Travail. Vous aurez un punch de première classe. En plus, vous saurez allier l'efficacité à la diplomatie. Bref, vous aurez tous les atouts en main pour récolter les succès professionnels. Famille. Avec les bons influx de l'astre Kepsa, le hasard et les imprévus joueront en votre faveur. Vous rencontrerez des gens qui vous seront utiles au moment opportun. Tout vous viendra dans la facilité. Des rebondissements inattendus jalonneront votre parcours en y apportant les changements souhaités. Horoscope Book. Amour. La présente journée provoquera une mise en place ou une décision concernant votre vie amoureuse, autant sous l'angle de la raison que de sentiments. Dans tous les cas, des joies partagées, des satisfactions du cœur et une plus grande sérénité dans les rapports avec les trop chers vous sont promises par les astres. Argent. Avec cet aspect de l'astre Mokduk, vous bénéficierez d'une certaine chance sur le plan pécuniaire, mais rien de mirobolant. Si vous rêvez de vous acheter un bijou en diamant, par exemple, il serait plus raisonnable d'attendre un peu. Santé. Et si vous sautiez le pas pour entreprendre une activité sportive régulière? L'eau étant un élément très bénéfique pour vous, quelques longueurs de piscine, un week-end à l'assaut ou un bol d'air iodé devraient recharger rapidement vos accus. Pensez-y sérieusement. L'astre Kepsa soutiendra vos efforts. Travail. Vous réussirez à vous imposer dans votre travail, tout en gardant suffisamment de recul pour avoir une vue objective de la situation. Votre travail quotidien vous donnera beaucoup de satisfaction. Famille. La planète Taifu sera mal aspectée et pourra vous installer dans un climat difficile, plutôt dépressif. Vous sentirez alors le poids de l'anxiété. En plus, vous n'entretiendrez pas de très bonnes relations avec votre entourage, et en particulier avec les membres de l'autre sexe, ou bien vous souffrirez de leur indépendance, ou bien vous souffriez de leur possessivité. Horoscope singe. Amour. La planète Bako, la déesse de l'amour, décuplera votre charme et vous rendra plus sensible que d'habitude au charme du sexe opposé, un gage de bonheur pour les célibataires. Pour les couples, l'impact de la planète Bako sera aussi très agréable, vous permettant d'établir une relation tendre et pleine de complicité avec votre conjoint ou partenaire. Argent.
ce sera une journée de chance sur le plan financier, où votre savoir-faire et votre sens critique vous permettront d'agir d'une manière beaucoup plus avantageuse que d'habitude. Les finances seront plus solides et vous aurez un flair pour rentabiliser vos bénéfices. Toutefois, il ne faudra pas vous laisser aller, même si les choses vous paraissent plus faciles, car toute imprévoyance ou toute négligence pourrait encore vous coûter cher. Santé. Les influx cosmiques de la journée décupleront votre vitalité. Vous vous sentirez en bonne forme physique, ce qui ne manquera pas d'exercer un excellent effet sur votre morale. Travail. Dans le travail, vous mènerez vos affaires tambour battant. Plus performant que jamais, bien décidé à atteindre vos objectifs en un temps record, vous avancerez à pas de géant. Attention tout de même à ne pas marcher sur des cadavres. Famille. L'environnement planétaire favorisera des amitiés nouvelles et des rencontres sympathiques, ainsi que des activités créatrices. Vous serez très ouvert et inventif durant cette journée. Horoscope coq. Amour. Journée de réflexion féconde pour les célibataires qui envisagent de fonder un foyer. Elle pourrait très bien marquer l'aboutissement de tout ce qui a été préparé, construit ou redressé jusqu'alors. Depuis quelque temps vous avez joué à fond la carte de la sécurité conjugale. Pas de folie. Finalement, cela ne vous a pas trop mal réussi. Et vous vous efforcerez de maintenir ce climat de stabilité que vous êtes parvenu à créer dans votre couple. Argent. Attention aux initiatives imprudentes sur le plan matériel. Vous manquerez de patience et de discernement dans ce domaine. Pour gérer le budget familial, tenez compte de l'avis de votre conjoint. Santé. Avec la bonne planète cotant toujours dans les parages, vous n'aurez pas de soucis à vous faire concernant votre santé. En forme et d'humeur joyeuse, vous assurerez sur tous les plans. Reste que l'astre Tianfuk formera des figures négatives, ce qui pourrait causer aux plus âgés d'entre vous de petits problèmes de digestion. Travail. La planète Mokduk invitera à se montrer plus réfléchi, à délaisser l'improvisation au profit d'une stratégie et d'un plan d'ensemble à long terme. Au lieu de considérer la vie professionnelle au jour le jour, il sera question d'avoir une perspective plus vaste, de disposer d'un meilleur recul et d'envisager l'avenir sur plusieurs années. Famille. Les aspects astro affineront votre sens des contacts. Vous aurez moins peur des autres et, pour un temps, vous réussirez à dominer votre timidité latente. Vous saurez prouver à vos employeurs que vous êtes indispensable, ce qui vous permettra de dicter vos conditions. Mais il ne faudra en aucun cas faire preuve de manque de diplomatie. Horoscope chien. Amour. Si vous êtes marié, faites le point au cas où vous soupçonneriez votre partenaire d'infidélité. Mieux vaut savoir la vérité plutôt que vous ronger les sangs. Une fois dissipés vos doutes, vous vous sentirez mieux dans votre peau et pourrez rétablir une bonne complicité au sein de votre couple. Célibataire, en amour, vous aurez envie de brûler les étapes, ce qui ne vous ressemblera guère. Attention, l'amour véritable a besoin de temps pour se cristalliser. Ne vous faites pas trop d'illusions, et assurez-vous que vos partenaires ont les mêmes sentiments que vous. Argent. Pour nombre de natifs, des questions d'héritage pourront créer des frictions et des tensions avec la proche famille, chacun ayant son idée fixe à ce sujet. Ne précipitez rien, réfléchissez longuement et n'hésitez pas à demander conseil auprès d'amis désintéressés. De toute manière, le temps rangera tout cela, et au mieux de vos intérêts. Santé. L'astre Londuc, en ne formant aucune mauvaise figure planétaire, ne pourra que renforcer votre résistance et protéger votre forme. De son côté, l'astre Ongloan devrait maintenir votre énergie au top niveau, mais aussi vous exposer à un certain risque de foulure ou d'élongation musculaire. Attention donc aux marches d'escalier et, si vous faites du sport, soyez prudent dans vos mouvements. Travail. Il vous faudra vous montrer vigilant dans votre métier. L'astre Fakwan pourra en effet entraîner un climat incertain sur votre lieu de travail, marqué par des rumeurs contradictoires. L'astre Tanlon, lui, pourra provoquer des modifications dans l'organisation de votre travail auxquelles vous devrez rapidement vous adapter, une horreur pour vous qui appréciez la routine plutôt que l'improvisation. Famille. Vous entrerez probablement dans une violente colère en apprenant qu'un ami vous trompe. Sachez cependant que le mépris silencieux est la meilleure solution en pareil cas. Désormais, soyez moins confiant.
Horoscope cochon. Amour. Dans le domaine amoureux, l'amélioration entamée dernièrement va se poursuivre. Ce climat planétaire à prééminence vénusienne vous rendra très exigeant en amour. Si vous vivez une relation suivie, vous chercherez à améliorer au maximum votre vie de couple. Si vous êtes solitaire, vous aurez envie d'une rencontre parfaite. Attention à ne pas placer la barre trop haut. Argent. Vous bénéficierez de la faveur des astres sur le plan financier. Profitez-en pour venir à bout de certaines situations complexes qui vous tracassent. Un peu de clarté ne nuira pas à vos affaires, on vous en sera reconnaissant, et vous y gagnerez en influence sur votre entourage. Santé. Vous sentirez le besoin de vous surpasser, et vous multiplierez les exploits sexuels ou sportifs. Ne prenez tout de même pas de risques excessifs, sachant que vos réserves ne sont pas inépuisables. Travail. Le mauvais aspect de l'astre en Kang pourra entraîner quelques contretemps dans votre travail. Mais, à moyen terme, cela vous aidera à rebondir plus haut. Ce contexte astral renforcera aussi votre volonté et votre capacité à faire face efficacement à vos difficultés. Famille. La vie routinière n'a-t-elle pas commencé à vous lasser un peu? Eh bien, de nouvelles rencontres vous donneront aujourd'hui la possibilité de transformer votre cadre de vie habituel. Plusieurs opportunités s'offriront à vous. Mais il faudra y mettre du vôtre et ne pas refuser systématiquement tout ce qui sort de l'ordinaire. Ce dépoussiérage, plus psychologique que physique, vous sera avantageux à plus d'un titre.